Good morning, Aleiden. L'étude aujourd'hui, les Lunishmat, Rivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara. Alors, Yosef Rémen, Massim, Romesh Ben Sultana, Moshe Michel Ben Machlouf, Zohara, Rosette, Bat Sultana, Zara, Bat Sultana, Tosh, Portish. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perkhet, Mishnah Yud. Nafala Baitala, Vealimo, Elo, Elo, Modim, Sheyach, Aloku. Amar Rabbi Akiva, Modani, Bazesh, Anichasim, Becheskatan. אמר לו בן עזאי, על החלוקין אנו מסתערין, אלא שבאת לחלוק עלינו את השבין. On continue notre Mishnah, comme les deux précédentes, avec le même principe. Une situation où deux parents décèdent, la question est de savoir qui est décédé le premier, parce qu'il va y avoir, ça, il va y avoir des conséquences pour les héritages. Avec à présent une nouvelle situation, on a fait la bête à lave et à limo. Une maison qui s'effondre sur un fils et sa mère. Soit, on va parler d'une mère qui n'a pas d'autre enfant, sauf ce fils uniquement. Mais elle a bien sûr des frères qui l'hériteront au cas où elle n'a pas d'enfant. Le fils, lui, il a d'autres frères ou il a d'autres héritiers du côté de son père, mais qui ne sont pas les héritiers de la mère. D'accord ? Il a un demi-frère, par exemple, du côté de son père. Ou il a tout simplement, on a évoqué le cas, où c'était des parents divorcés. Donc si le fils a hérité, le père héritera de son fils, tandis que le père n'héritera pas de sa mère puisqu'il a déjà divorcé. D'accord ? Alors maintenant, la question est de savoir, on va plutôt poser le cas, ça va être plus simple à présenter de cette manière, en disant que les parents sont divorcés, le partenaire, il parle pas d'un cas, il parle d'un cas où la femme était veuve, mais ça revient même. Les parents étaient divorcés, et maintenant, donc le mari ne peut pas hériter son ex-femme, par contre il peut hériter son fils. La question est de savoir qui est décédé le premier. Si le fils est... si la mère est décédée la première, alors le fils, il est entré en possession de tous les biens de la mère, et ensuite, lorsque le fils décède, le père hérite son fils. Mais si ça s'est passé à l'envers, le fils est décédé le premier, et ensuite la mère, alors on apprenait la règle, on l'avait évoquée dans le Père Ekret, dans Yeshno Khalid, « En Yerusha bakever l'anchil l'achiv ma'aviv »« L'echav ma'aviv » Un homme déjà décédé ne peut pas hériter de sa mère pour ensuite en faire hériter à une autre famille. S'il est encore vivant, il hérite de sa mère, et puis ensuite... il y a un problème, ça va faire détourner les biens de famille. Ouais, dans les Shvatim, imaginez une femme qui appartenait à la tribu de Reuven, qui avait un fils qui était de la tribu de Shimon, parce que son ex-mari il était de Shimon. Il s'avère que lorsque la femme décède, les biens vont passer du patrimoine de Reuven, ça va passer maintenant dans la tribu de Shimon. Ça pose problème. Donc de ce fait, lorsque le fils il est vivant, le fils, c'est le fils de la continuité de sa mère, il hérite de sa mère. On ne pose pas de question. Mais lorsque le fils est décédé, déjà avant la mère, alors on ne dira pas que Yesh Yerusha Bakever, que depuis son cercueil, qui va hériter de sa mère pour ensuite faire passer ses biens à une autre personne. D'accord ? Donc de ce fait, maintenant, regardons notre Mishnah. On a ici l'ex-mari qui se bat avec l'ex-beau-frère, à savoir qui est décédé le premier. Si c'est le fils qui est décédé le premier, donc la mère n'a plus d'héritier. En l'occurrence, son frère l'héritera. Mais si la mère est décédée à la première, alors là, on aura que le fils héritera de sa mère, et ensuite le fils il est décédé, le père héritera de son père. D'accord ? C'est là le conflit qu'il y a. Nafal avaitala vaimo. La maison s'est effondrée sur lui et sur sa mère. Elu vaelu modim sheyachaloku. Eux et eux pensent que l'on devra se partager. Soit, dans les deux missions précédentes, on avait vu qu'il y avait une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Là-bas, Bet Shammai disait Yachloku, mais Bet Hillel, à chaque fois, trouvait quelqu'un qui possédait jusqu'à preuve le terrain. Il y avait là-bas, ouais, reprenez si vous voulez dans la Mishnah, le Chet, là-bas il y avait des créanciers. Donc jusqu'à preuve du contraire, les héritiers ne doivent pas payer aux créanciers. Dans la Mishnah Tet, c'était une question de... Chacun avait été possesseur et peut-être que l'autre devait le recevoir. Bet Hillel disait non, Nechassim Bechaskatan. Mais là, cette fois-ci, il n'est plus question de Mourzak. Il n'y a plus de Mourzak. On ne sait pas dans quel sens, quelle a été une fois que les biens sont passés. Une fois que la mère est décédée, on ne sait pas quelle trajectoire ils ont pris. Est-ce qu'ils sont d'abord passés par le fils pour monter chez le père ou est-ce qu'ils sont partis directement chez le frère? On a un vrai quiproquo, sans aucun Mourzak. Alors qu'est-ce qu'on fera? Yachloku, ils partageront. Cette fois-ci même, Elou va Elou, Bet Shammai et Bet Hillel, Modim reconnaissent, sont d'accord que Yachloku, qui devront se partager ses biens. Amar Rabbi Akiva vient et nous dit, Modé Ani Bezé, moi je reconnais, c'est-à-dire, tu m'as dit, tout le monde reconnaît, moi aussi je reconnais quelque chose d'autre que, Modé Ani Bezé, j'ai réussi à trouver
quelqu'un qui les détient jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas d'accord avec toi de dire que selon Bet Hillel, ils devront aussi se les partager. Bet Hillel continueront à nous dire cette fois-ci qu'il y a un Mourzak, il y a quelqu'un qui les détient jusqu'à preuve du contraire. Et qui est ce Mourzak? En l'occurrence, c'est les héritiers de la mère. Pourquoi? On a parlé d'une mère qui était divorcée, veuve, comme le Barthénois va le dire, peu importe. On a maintenant la femme qui est veuve. Elle, jusqu'à preuve du contraire, elle appartient à la tribu de Réhouven. Peut-être que les biens vont devoir passer dans une autre famille, dans une famille de Shimon. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans la famille de Réhouven. Le simple fait qu'ils appartiennent à la famille de Réhouven fait que, jusqu'à preuve du contraire, on les laisse en patrimoine à la famille de Réhouven. C'est la vie de Rabbi Akiva. Donc, Amar Rabbi Akiva, Modani Bezesh Anechasim Bechaskatan. Moi aussi, je reconnais qu'il y a encore une discussion en réalité, que selon Beth Hillel, les biens continueront à rester dans la famille de la femme. Et on ne les fera pas pour passer dans la famille d'un étranger jusqu'à preuve du contraire. C'est une chazaka plus délicate, vous pouvez le remarquer de vous-même. Ouais, il n'y a pas ici quelqu'un qui est vraiment mourzak. Quoi qu'il arrive, les biens, ils ont bougé. Mais il y a quelqu'un qui sait plus, jusqu'à preuve du contraire, on peut quand même les laisser dans sa possession. C'est plus délicat, et là, la fin est fixée comme Rabbi Akiva. Amar lo Ben Azaï. Ben Azaï s'est fâché avec Rabbi Akiva. Il lui dit, oh, vous les rabbins et vos discussions, hein. Ala chaloukin anu mitztaharin. Sur toutes les machloquettes qu'il y avait jusqu'à maintenant, toutes les discussions, anu mitztaharin, on avait déjà de la peine de voir qu'il y avait tellement de machloquettes, de discussions, de divergences d'opinions. On avait des machloquettes entre Ben Shammai et Ben Hillel. Jusqu'à que quelqu'un est venu nous dire, non, sur ça, il n'y a pas de machloquette. Et quoi? Et la Shebata, la Chlok, allez-nous et ta Shavin. Et toi, tu reviens à la charge et tu dis, non, même sur ça, il y a encore une discussion. Pourquoi tu fais juste des machloquettes? Je ne sais pas quel est l'intérêt d'avoir dit une phrase pareille. En tout cas, la lacha est fixée malgré tout comme Rabbi Akiva. Et on fait à présent le Barthénora. Nafa la Beit Alav Alimo. La maison s'est effondrée sur lui et sur sa mère. Ve'en la Ben Acher Elazé. Et cette mère n'avait pas d'autre garçon, d'autres enfants, uniquement celui-ci qui est décédé ensuite ou avant. Yorshe Aben Omrim, ensuite. Les héritiers du fils prétendent à présent, en l'occurrence on avait parlé du père divorcé. Donc Yorshe Aben Omrim, les héritiers du fils disent Aïcha Metatrila, la mère et la femme est décédée la première, Veyarash Aben Nirsea, et le fils a donc hérité de ses biens. Et à présent, c'est à nous d'hériter notre pauvre défunt, qui est d'accord. Tandis que les héritiers de la mère, qui sont de la famille de son père, donc ses frères par exemple, Omrim, non, Aben Metrila, le fils est d'abord décédé, et maintenant, l'on veut hériter de cette femme. C'est qui? Ceux-là et ceux-là reconnaissent. Bet Shammai et Bet Hillel, il n'y a plus de discussion Bet Shammai et Bet Hillel dans un cas pareil. Chez Yachloku, qu'ils se partageront les biens. Puisque les deux parties viennent prétendre que c'est eux les héritiers. On ne sait pas maintenant quelle trajectoire ont pris les biens. Comme on a dit, d'abord de la mère jusqu'au fils pour remonter chez le père, ou ils sont directement partis de la mère chez ses frères. Qui est Mourzak? On ne sait pas qui est Mourzak, il n'y a pas de Mourzak. Attendez que les deux viennent et prétendent, moi je suis un héritier potentiel, présumé, et toi tu es un héritier présumé aussi. Vesafek, vesafek. C'est un doute, parfait. Veyachloku. Et ils se le partageront. Velodamilenafalabaitalavalishto. Et ça ne ressemble pas au cas précédent de la Mishnah d'avant, où la maison s'est effondrée sur lui et sur la mère. Pourquoi? Datam, yesh shneminanechasim. Parce que là-bas on apprenait qu'il avait deux types de biens. Il y a des biens que, jusqu'à preuve du contraire, ils sont détenus par le mari, jusqu'à preuve à 100%, et donc dans le doute, le mari, ou les héritiers du mari restent en possession, et idem dans l'autre sens. Il y a des biens où ce sera la femme qui est mourzeket, qui les détient jusqu'à preuve du contraire. Aval hacha, mais ici, hakol becheskat aisha, tout reste en possession de la mère. Kevan shaita almana. Puisqu'elle était veuve. Ouais, il n'y a pas de mari, c'est ce qu'il veut dire. Veshneem baim, mekoach irusha. Et donc les deux parties viennent maintenant. Mekoach irusha, en prétendant hériter. Je suis moi un héritier potentiel du fils et l'autre. Donc je viens continuer le fils, que le fils il est encore en train de prétendre. Seulement vous me dites non, il n'y avait pas de fils. Alors on ne sait pas quoi faire. L'Erach, Akol, Ika, et le Kachiruko. C'est pour ça que dans ce cas-là, on partagera. Moda, Nibazé. Rabbi Akiva vient, il dit non, moi je reconnais dans un cas pareil.
דלדברי בית הלל, כפור בית הלל, החנמי אמרינן נכסייך, נכסים, נכסים בחזקתן. Là aussi, on dira qu'il y a, que les biens sont en, restent détenus par, leur, par celui qui les détient. Qui est-ce? Becheskat Yorshea Minaav. Dans les héritiers de la mère, de la famille de son père. Sheare, car Bechaya, de son vivant. Mishemet Baala, depuis le moment où son mari est décédé. Achar Shevet Avia Imiter Cheset. Elle repart vivre dans, dans la, son Yichus. Sa généalogie, son arbre généalogique revient maintenant. Elle va appartenir à présent à la famille de son mari. Si elle était de la tribu de Réhouven, ça va devenir une Réhouvénite. Elle ne va plus être une Shimonite. Et de ce fait, même ses biens de son vivant étaient détenus par sa tribu, par sa famille. Hilkar, pour cette raison, Yorshea Minahav Yorshinota, ses héritiers de la mère, donc, de la famille de son père, de la mère, Yorshimota, ils l'hériteront, Ve'alacha ki Rabbi Akiva, l'alacha est établie comme Rabbi Akiva. Ça, c'était la plainte de Rabbi de Ben Azaï, Shimon Ben Azaï, Rabbi Shetan Tana, Alacha Lokin, Anomisarin, sur les discussions, on a déjà de la peine, Klomar, Almach Loket, Dele'el, que sur les discussions des Mishnah précédentes, des Bet Shammai ou Bet Hillel, où Bet Shammai et Bet Hillel étaient en train de se disputer, Anomisarin, Shelo Yishvodatan, on a déjà de la peine de voir qu'ils n'ont pas réussi à se mettre en accord. Ve'ata Omer, Shegam, Bezer, Halokin, et toi maintenant tu viens dire que même sur ça il y a encore une discussion, ou Bata Lachlok, Altanakama, Shomer, Shenjamin, et tu t'amuses quelque part. On peut dire, à dire que, en réalité, tu viens discuter contre Tanakama qui a dit qu'il n'y avait pas de marloquette. Et de là, on apprend que malgré tout, si Rabbi Akiva estime qu'il y a une marloquette, il a le devoir de se prononcer et de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.